Salut, c'est Keliana et aujourd'hui on reprend Pokémon. Voilà, on s'était arrêté. Je sais plus où on était. Attendez. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, on avait 3 badges. Donc j'avais souffert pour le badge feu. Et là, on est à l'arène combat. Voilà, dans épée c'est combat et dans bouclier c'est spectre. Donc, on va mettre en tête tout à fait. Normalement, il ne devrait pas se faire toucher. Ah oui, j'ai entraîné mes Pokémon, donc 41, 42, 41. Voilà. Voilà, j'ai fait un gros entraînement dans les terres sauvages. Donc normalement, on devrait être prêt. Coup de sauvegarde. Voilà. La masse boule. Donc pour attraper le ronflex, entre autres. Alors, t'es challenger, toi, ça se voit. T'es là pour tenter la mission de notre arène? Oui. Allez, quels sont les vestiaires? Bah oui, j'ai changé de look aussi. Hein. Du coup, j'ai réussi à faire pousser mes cheveux. Ah bah elle est identique à la reine spectre, c'est bien. Les couleurs sont pas les mêmes, mais le principe reste le même. Bien, je vais t'expliquer les règles de la mission de la reine d'Holchester. C'est simple, rampe dans la soucoupe et essaye d'atteindre la ligne d'arrivée, tout en évitant les obstacles. Oui, bon ça... C'est de la soucoupe, quoi. Voilà. Un petit peu plus fort. Nous lançons normal combat. Chelou, je trouve qu'il fait un bruit d'estomac qui gargouille. Ah, ça va faire mal. Alors ça c'est chiant là, le changement de talent. Là. Quoi? Tu l'as pas mis KO? T'as 9 niveaux au-dessus de lui, tu l'as pas mis KO? Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon de merde? Tout à fait, tu me déçois. Non. Hein?
ils ont tous centrifugifle aussi. Vas-y. La double détection. Et toi, quand tu le fais, ça marche jamais. Triple détection. Ah non, ça a raté. Thank you.
soigner, tout à fait. Plus de sauvegarde. Pieds nus, petite genouillère. Bienvenue Challenger, je me nomme Faiza. Dirais-tu que tu possèdes un esprit pareil à toute épreuve? Laisse-moi donc en juger par moi-même. Capoeira. Eh oui, ça m'affecte pas. On va voir, il est combat ténèbres, je crois. Elle est tellement stylée, Pandarva. Pas très efficace, pas très efficace. On va essayer Ombre Nocturne, on va voir. Tranche nuit. Aïe 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 aïe. Je vais essayer de taper sur son type ténèbre. Voilà un palartichaud. Bon, on va envoyer Astronel. Il est trop stylé. Je veux le palartichaud. Ah merde. Oh bah c'est réglé. J'avais oublié Dynamaxer complètement. C'est celui-là ou Dynamax ou c'est un autre? Non, voilà. Non, non, je vais pas changer de... Ah, ma cogna, elle va se prendre 100% sur le psycho, là, ça va être... Ouais, c'est celui-là qui va Dynamaxer. Le Maconia en Gigama, je l'ai pas encore vu. Ah,
Ah, il fait catcheur. Il fait très catcheur, je trouve. Ah, ça a pas one shot. Ça va faire mal. J'ai ressenti l'esprit combatif de tes Pokémon. Merci pour ce combat. Grâce à toi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'ai pensé avoir un esprit inébranlable, mais ce combat m'a ému. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Encore merci pour tout. Prends ce badge combat, il est mérité. Elle tient son bras, ça fait mal. J'espère que de nombreux combats qui t'attendent serviront à renforcer ton esprit. Petite CT, Vendetta. Une attaque deux fois plus puissante si le lanceur est blessé par l'ennemi durant ce tour. L'uniforme combat. Ah bah ils sont tous guéris. Ils sont tous guéris. Sauvegarde. Toujours sauvegarder, on sait pas ce qui arrive après. Et je vais mettre Canardichaud en premier. Il finira par évoluer Canardichaud. Hein. Voilà tout. Et je crois que mon vol tout apprécie. Quoi qu'il en soit, tu tombes à pic. Je suis venu ici pour voir la fameuse phrase de Schister. On dit qu'elle relate l'histoire du héros de Galar et ça pourrait m'aider dans mes recherches. Mais il paraît qu'elle a fait l'objet de travaux de restauration. J'espère qu'elle est quand même restée fidèle à l'œuvre originale. En général, tu as le don pour mettre le doigt sur les détails intéressants. Donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour avoir ton avis. Braoum ! Que ? C'était quoi ça ? Ça venait de l'endroit où se trouve la fresque. Allons voir. Viens, vole toutou. Alors, mettre celui-là en premier, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tout à fait. Oh, ça brille. Rappel max. Pourquoi hésites-tu? Détruis tout. Il faut tout détruire si on veut récupérer les étoiles vœux. Fâché. Plus, il me faut plus d'étoiles vœux si je veux que le président m'accorde sa reconnaissance. Fâché Raja, tu es le Pokémon du président Shirose, non? Tu devrais être content de l'aider dans sa quête d'étoiles vœux. Allez, un peu de nerf. Tu devrais avoir honte, Fâché Raja. Je rêve, encore toi. C'est vraiment pénible, ma parole.
Laisse-moi deviner, tu viens d'avoir l'idée du siècle, rassembler des étoiles veut pour t'attirer les bonnes grâces du président, c'est ça? Pas du tout. Tu as fini par comprendre ce que je vois, il t'aura fallu du temps. Mais si tu crois que je vais te laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je ne laisserai personne se dresser en travers de ma route. Voilà pourquoi j'ai enlevé Canard Artichaut de... Les insectes, ça marche sur les psy, il me semble. Je regarde ma Rolex pour voir l'heure qu'il est. Ah, la tricherie de la super potion. On va profiter pour boire un coup. Il réfléchit, il est psy-insecte. Ah là là, ça se prend pour le meilleur dresseur du monde. Je n'arrive pas à y croire. Comment une minable comme toi, Hostel, se dresser sur le chemin de ma grandiose destinée? J'ai été choisi par le président en personne. Je suis celui qui doit vaincre le maître. J'incarne l'élite de ce pays, le futur de Galar repose sur mes épaules. Comment ai-je vu... Ravis! J'étais curieuse de savoir pourquoi tu souhaitais emprunter le Pachi Rajas du président Cheros. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était pour détruire ses vestiges. Et alors, quelle importance ces vestiges? C'est notre avenir qui se joue, le millénaire à venir. Ce n'est pas avec ce genre de scrupules que vous arriverez à servir pour le président. Travis. Ça me brise le cœur d'avoir à te dire cela, mais je suis profondément déçue. Quand je t'ai rencontré, tu étais si jeune, si seule, j'étais émue. C'est pour cela que j'étais envoyée à l'école des dresseurs. Je retrouvais en toi l'enfant que j'avais été. Comme moi, tu as été endurcie par l'adversité. Mais qu'as-tu fait, malheureux? Tu osais t'en prendre à l'histoire de Galar. Abîmer une fresque. Tu n'es pas digne des défis des arènes.
Je déciderai de ta sanction plus tard. Mon cœur est trop rempli de déception pour l'instant. Retourne immédiatement à Kikunam et attends-moi là-bas. Que? Vous plaisantez, monsieur? Pourquoi me disqueriez fait vous? Vous qui m'avez choisi, recommandé même. Je suis votre protégé, allons, je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire ça. Travis, donne-moi les étoiles vœux que tu as rassemblées. Quelle tragédie! Quel crève-cœur! Une telle fin pour un challenger, ça me donne envie de pleurer. Mais le défi des arènes doit rester un modèle de vertu avant tout. Purée, j'ai de la peine pour Travis. Si je me souviens bien de sa présentation pour le défi des arènes, il n'a plus de famille. Il disait qu'il voulait se battre pour le président qui a tant fait pour lui, le pauvre. J'espère que la fresque n'a pas trop souffert. Elle est un peu moche, la fresque. Oh mon dieu, flashback. Une épée, un bouclier. Deux héros. Mais bien sûr! J'allais dire catastrophe, mais regarde, qui aurait imaginé trouver de telles statues ici? C'est forcément lié à ces fameux deux anges. Qu'est-ce qui te frappe le plus? Les Pokémon? Oui, ces créatures tenant une épée et un bouclier qui se démarquent pleinement du reste. On dirait deux Pokémon. Est-ce que tu remarques autre chose à part ça? Il y a deux héros. Exactement, il y avait donc deux héros. Mais alors pourquoi il n'y a qu'une seule statue dans le hall du Rouge Bouton d'Or? Ils n'avaient pas assez de budget. Ces sculptures sont de véritables témoins, les clés de la vérité sur le passé. Mais plus que les tapisseries ou la statue. Ce qui veut dire... Bouclier est un peu mal. Oui, exactement. C'est ce que je me disais. Avec le temps, les Pokémon et les armes ont commencé à ne faire qu'un dans la légende. Ainsi, l'existence des Pokémon a été doucement effacée de l'histoire. C'est pas gentil, ça. Donc, on a les deux jeunes héros et l'épée et le bouclier sont leurs Pokémon. Mais pourquoi cacher ces ruines? Qu'est-ce qu'elles nous révèlent et ce qu'elles nous révèlent derrière une œuvre d'art? J'adore cette musique. Tu réalises l'importance de cette découverte. Je suis heureuse d'avoir vécu ça à tes côtés. Tiens, prends ça. Un événement pareil, ça se fête. Ça te servira bien pour les défis des arènes. La prochaine étape pour toi, c'est Coryphée. On a tout cassé! Franchement, ils auraient mieux fait de laisser ça que l'espèce de truc dégueulasse, la peinture dégueulasse. Bon. Acheter des trucs pour la route. Alors, vendre. On va vendre ça. Voilà, avec ça, on devrait avoir. Pourquoi acheter ce qu'il faut? Alors,
pour la peine. Les super potions. Voilà. Des hyper potions. Rappelle, j'ai ce qu'il faut. Ça, je vais en racheter. Voilà. Petit coup de sauvegarde. Et direction Corifée. Je mets ça l'arsène en premier. Si je vais pas prendre Grimalin dans mon équipe, parce qu'il me faut un Pokémon fée. Enfin, une petite étincelle. Oh putain, étincelle. Bon, on recommence. J'ai pas une cité. Je vais acheter fauchage. Torgamore. Celui-là comme attaque. Un petit sol, c'est style. Bien la Torgamore, il me faut ce... Voilà. Ouais, mettre à la place de tout à fait. Voilà. On va aller se soigner. Hey. Thank you.
Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Bluff, confidence, Afrique, Colarme, tout. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Tourmente, Kuba, Vantardise, Assurance. Fouille. Ouais, il va bien prendre des attaques fées à un moment. Voilà. Allez, c'est parti. Il est fait l'ampignon, c'est ça? Plan de fée, l'ampignon. Ça, les total soins, c'est bon. J'en ai marre de ce train-train quotidien. Fenard et Kyria. Euh...
Tyria, elle est pas fée à ce moment-là. Bon, on va essayer. Si elle est fée. Ça touche les deux, Castination. Oh là là. C'est pété. Voilà. L'étincelle, ça touche les deux, étincelle, non. On a une vive attaque. Voilà. Le mec il fait grève, hein. Il me prend le train et il fait grève. Voilà. Oui, mais sire. Oh, le coup de jus. Voilà, on prend des PV tranquilles. Elle a deux oui messire. Si je lui fais ça, ça fait quelque chose. Ouais, pas top. Il est psy, je crois, oui messire. Pourquoi elle a pas fait psycho? Ah, des fois, faut pas chercher. Oh bah direct. Voilà, Grimalin, il était pressé. Fourbelin, il est moche. Il est moche. Allez, dis-moi, ça prend. Fourbette. C'est quoi ça, fourbette? Ténèbres, le lanceur fait semblant de protéger ses cheveux. Pour poignarder la chibre. Touche à tous les coups. C'est bien ça. Tardise. Voilà. Oui, là. Ok, agression. Tiens. Vas-y, crache-lui dans la figure. Voilà. Niveau pour Astronelle.
Juste un truc. Ah, ça brille. Lequel lumineux. Demi-tour. J'ai tout fait là, ouais. Une forêt pas très très grande, c'est dommage. C'est Champiville qu'il aurait dû l'appeler, vous savez, tous les champignons. Allez. Il est temps d'aller massacrer des Pokémon fées. Ah oui, non. Non. Oh, un petit Brocéliome. Coucou. Il n'en a rien à foutre. Tiens, salut. T'as déjà 4 bâches, t'assures. Faut que je fasse gaffe. Marpeco. Tu vois, même Marpeco se méfie. Ou alors, c'est qu'il t'aime bien. Marpeco, t'es sous le charme. T'es pas cool, Marpeco. Je te signale que c'est notre adversaire. On est en pleine compétition. Contre elle. Et toi, tu me fais ce genre de plan? Enfin bref. On sera ramené à se revoir. Donc je te donne ma carte de ligue. Merci. On va dire que t'es ma rivale attitrée. Comme ça, Morpeko sera content. Il reste plus beaucoup de challengers en lice. Tâche de tenir jusqu'en finale. On y travaille, t'inquiète pas. La Love Ball. Attends, lui, il échange quoi déjà? Tout à fait de galard. Plus tard. Bien sûr. On va les cracher sur les Pokémon fées. Voilà. On retrouve Maminova. Ah, c'est toi. Tu manques de féerie, mais tant pis. Quoi, t'aimes pas mes cheveux rouges? En ce qui concerne la mission d'arène, pour tout te dire, j'ai même trouvé un remplaçant. Donc, c'est plus une audition qu'une mission, si tu veux savoir. Je ne prends pas cet air traumatisé, je t'assure que ce n'est rien de bien compliqué. Tu y arriveras. Tout ce que tu as à faire, c'est affronter mes dresseuses et répondre à leurs questions. Mais attention, si tu te trompes, les stats de ton Pokémon combattant en prendront un coup. Ça marche dans les deux sens. Si tu réponds juste, tes stats augmenteront. Eh oui, c'est ça la féerie. Sur ces bonnes paroles, allez hop, en scène. Va brûler les planches sans te brûler les ailes. Débutons l'audition pour voir si tu es digne de prendre la relève de notre championne adorée. Elle aussi, c'est une daronne. Améline, la dresseuse. Fufetin. Allez, vas-y. Crache sur son Pokémon agro-pif.
Canaille, non. Réponds à cette question. Contre quoi le petit fée est-il faible? Bah, le type poison. Bien, bien, bien. Nous verrons ce que dira Madame Sally, mais ma foi, pourquoi pas. Ne te préoccupe pas de la question précédente. Concentre-toi sur le combat. Jumelle Simone. Ce croquin. Ah merde! Ah, j'ai mis ce clic! Bon, pas fait le taf quand même. Cocotine, non. Il est moche ce Pokémon. Non, il est moche. Ça s'appelait Améline. Ne te laisse pas déstabiliser par les réponses. Reste concentré sur ton dernier combat. Et moi pour finir. Regarde, tu as peut-être le talent nécessaire pour devenir championne de type fée. Je préférerais être championne de type feu, mais bon. Si on file un boulot. Orbelin. Bah tiens, ça m'aurait étonné. Garde-voix. Qu'est-ce que je mange tous les jours au petit déjeuner? J'en sais rien moi. Une omelette? Ah, l'omelette au fromage. Ah, c'est pas bon l'omelette au fromage. Manger des omelettes aux patates, c'est meilleur. Bah, il est stylé, garde-voix. Feu ensorcelé, oh là là. Il reste bien ce trône là. Efficace.
Le défi des arènes devrait être notre priorité, mais Madame Saline ne pense qu'aux auditions. Voilà, tu fais les deux, tu auditionnes et tu fais le défi des arènes. Ce petit fauteuil violet avec les points verts, c'est magnifique. Je me demande si votre prestation est convaincue, jury, nous verrons bien. Oui, je continue. Coup de sauvegarde, c'est jamais. Sans malentendu, ça pourrait dégénérer. Mamie Nova qui m'attendait. Bon, c'est un peu tard pour la présentation, mais enchantée, je suis Sally, la championne. J'ai bien observé ton audition et j'ai jugé tes réponses au quiz. Et maintenant, fini de jouer, passons aux choses sérieuses. Voyons comment ton partenaire à toi a résisté face à la pression. De Galard. Elle est stylée, hein. Ça donne envie de jouer Smogogo. Hein. Allez, un petit coup de jus. Ah Charles, t'es sérieux? C'est quoi cette attaque de merde là? Putain, t'es Smogogo de Galard. T'as accès à canicule. Alors, dis-moi, sais-tu quel surnom on me donne? Si je réponds la sorcière, ça va mal se terminer. Petit niveau pour ça, Larsen. Overdrive, c'est quoi ça? Ça grâce à ses cordes de guitare ou de basse pour créer de violentes vibrations sonores qui blessent la cible. 80-100. Oh bon, elle dépasse ça à la place d'étincelle. Je me soigne. Hein. Misdibule. Alors, Misdibule, il est acier. Et comme je peux pas empoisonner l'acier, on va lui cramer la gueule. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait plus les méga parce que méga Misdibule. Oh, Misdibule intimidation. Allez, un petit coup de ballon brûlant. Il est trop stylé. Togekiss, il est volfé. Un volfé contre électrique poison, il va avoir très très mal, Togekiss. Vas-y, fais overdrive, j'ai jamais eu cette attaque. Et voilà! Charmilly. Non. Le Pokémon gâteau, littéralement. Ah, son thé du matin fait effet. Faut qu'elle aille au chiotte. Quelle est ma couleur préférée? Le mauve. Ah, le mauve. Pourquoi n'ai-je pas choisi le type poison? C'est vrai. Alors, hop. Hop.
Allez, vas-y, envoie ton gâteau, là. Lancer de parapluie. Tu manques un peu de ferry, mais tu te débrouilles plutôt bien. Merci pour ce combat, jeune fille. Je dois avouer que ta prestation était tout à fait convenable. Mais tu n'es pas la personne que je cherche pour me succéder à la tête de la reine. Je trouverai bien la relève quelque part. J'ai d'ailleurs ma petite idée sur la question. Alors oublie cela. Ce sont des caprices d'une vieille dame. Prends le badge fait, tu l'as bien mérité. Yep là! Une cité. Est-ce qu'il a bon vampire baiser, Fourbelin? Allez, je me sens d'humeur charitable, je te rajoute même un uniforme. Ça mettra un peu de féerie dans ta vie. Un uniforme fée. Moi qui espérais pouvoir enfin prendre ma retraite, c'est raté. T'inquiète pas, tu vas trouver ton successeur. Ça y est, t'as déjà donné une CT, n'est-ce pas? La reine de Ludester. Vampire baiser. Oui, il la prend. C'est magnifique. Assurance, coup bas. Vantardise. En fait, on va même mettre la place de Vantardise. Ça lui fasse au moins une attaque. J'ai une course à faire à Kikenam. C'est sur le chemin de ta prochaine arène, si je ne m'abuse. Tu veux m'accompagner? Ben, bien sûr. En route, mauvaise troupe. Kikenam est vraiment... C'est vraiment pas ma tasse de thé, bien trop industrielle pour moi. Enfin, il y a bien des Pokémon à qui ça doit convenir. Il faut de tout pour faire un monde. Elle m'a soigné mes Pokémon ou pas? Ouais.
Je vais mettre ma tenue de fée, voilà, comme ça j'aurai un peu plus de féerie. Voilà. On va mettre des paillettes dans notre vie. Eau de sport. Voilà. Plante ou combat fée. Oui, c'est très très short. Hein. Voilà. On va enlever le blouson. Enlève le blouson. Non, enlève le blouson. Voilà. Il me faudrait des bas. Voilà. Voilà. Si je suis pas féerique là. Ah, j'ai pas les gants. Est-ce qu'il n'y a pas un sac rose? Non, ça c'est moche. Oui. Non, je voulais pas le sac. Rends-moi mon sac. Voilà. Petite touche finale. C'est là. Voilà. Voilà. Si j'ai pas mis assez de paille dans ma vie là, c'est bon. Là, je suis féerique à fond, hein. Je vous préviens, je finis l'aventure habillée comme ça. Que me veux-tu? Tu es venu parader devant moi? Ouais, t'as vu ma super tenue fée. Pendant que je ne suis plus challenger et qu'on m'a dépouillé de mon bracelet défi, tu n'as rien de mieux à faire? Clairement non. Rekan, va. Tu dois tellement t'ennuyer maintenant que tu n'as plus qu'un seul adversaire. Que tu n'as plus un seul adversaire digne de ce nom. Mais sache une chose, si tu crois que j'ai abandonné, tu te mets le doigt dans l'œil. Je continuerai de me battre pour le président. Je deviendrai maître pour lui et je vais de ce pas le supplier de me laisser retenter le défi des arènes. Minute ce jeune homme. Petite main dans les cheveux. Il déborde de féerie, cette coupe improbable, cet anorak criard, il n'a pas froid aux yeux lui. Il a l'air franc, ça me plaît. Un peu étrange sur les bords, mais aussi c'est ce qui le rend humain. Je crois que je pourrais en tirer quelque chose. Hé, hey, jeune homme, j'ai une audition à te faire passer. Hé, quoi? Du rose. Du mauve. Fabuleux. Bravo, bravo, c'est magnifique. Tu débordes de féerie. Elle s'est fait alpaguer par la vieille. C'est vous, Madame Sally. Mais enfin, quel dardanien vous a piqué? J'ai entendu parler de toi, mon enfant. Tu t'es fait rouler par cette pimbèche d'olive, n'est-ce pas? Elle t'a utilisé pour trouver les étoiles vœux avant de te jeter en pâture à ce snob de chez Rose. Viens, j'ai un marché à te proposer et il te permettra de prendre ta revanche. Mais laisse-moi te dire que ce ne sera pas du tout cuit. Il va falloir se retroussier les manches. Vous voulez me tester, c'est ça? Après tout, pourquoi pas? Je n'ai rien à perdre. Continue à me parler des étoiles vœux, ça m'intéresse. Toi, Oust, tu as un défi des arènes à accomplir. File à Dester via la route 7 et au galop. Ah, je me fais jeter. Moi aussi, j'ai un look fabuleux, regardez. Voilà. La sauvegarde. Ah, ça brille. Y a pas des trucs là? Bah si, y a des trucs. Une fraise en sucre.
Oh, t'as l'air gentil, je peux demander quelque chose, hein? En fait, voilà, j'ai un amoureux, je lui ai écrit une lettre. Tu veux bien lui la donner? Bien sûr. Je suis si heureuse, merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Paula, je compte sur toi pour lui donner la lettre, d'accord? On est heureux, c'est Basile, il habite à Corifey. Ouais, bon, on va y aller. Basile, ah non, c'est pas moi, c'est mon pépé. Oui, Basile, c'est bien moi, ma petite. Une lettre pour moi. Qui me l'a donc envoyée? Paula, sa perle hippopette. Je me souviens d'elle comme si c'était hier. Nous jouions souvent ensemble quand nous étions petits. À l'époque, elle était gravement malade, mais elle me le cachait. J'en ai voulu d'ailleurs, et nous nous sommes même disputés à cause de cela. Puis j'ai déménagé, je ne l'ai jamais revue. Je me demande ce qui lui est arrivé ensuite. A-t-elle guéri de sa maladie? Bah... Elle est un peu mourue. Eh bien, tu as perdu ta langue. Merci en tout cas d'avoir ravivé ce beau souvenir. Tiens, voici une petite récompense. Le mouchoir choix. Voilà. Bon, je la poste pour les fantômes. De vélo. Tiens, il y a quelque chose pour faire. Un tissu fauche. Merci d'avoir donné la lettre. Vous voyez, dans Pokémon, hein, il y a parfois des petites histoires comme ça, c'est assez flippant. Salut, ça avance ta collecte de badges? Bah oui, voilà. J'étudie les ruines d'Holchester sous tous les angles. L'épée, le bouclier. Quel genre de Pokémon sont-ils et où pourrait-on les trouver maintenant? J'ai tellement de questions, je pensais jeter un œil aux tapisseries et... What? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? Le stade de Tikenham a tremblé. Attends un peu, sous le stade, il y a la salle du réacteur dont s'occupe chez Rose. Donc vous vivez sur un réacteur. Mais le détecteur de source d'énergie réagit. On peut dire même accès les Pokémon en ville. J'en ai bien l'impression. Je savais pas que vous étiez en ville, ça a méchamment secoué. Le projet de mon cher Rose est encore en train de tester une nouvelle invention. Ça craint, les Pokémon risquent de se dynamaxer en plein Kikenham. Si c'est le cas, c'est grave, je vais prévenir le président. À tous les coups, tu vas encore te perdre, je t'accompagne. T'en fais pas pour cette histoire de secousse, on va se renseigner avec Tarak. Toi, continue de t'entraîner. Je rêve de te voir combattre en finale. File récupérer le badge du stade de Luzester. Hey, coucou! Dans la forêt, d'abord la forêt, ensuite le quiz absurde, je commence à en avoir marre. Mais bon, me voilà. Tu viens avec moi sur la route 7? Un peu de concurrence m'aide à retrouver la motive. Quoi, y a pas de combat? Tu veux pas faire de combat? Mais reviens, débile! Reviens! Pour une fois, j'avais envie de le combattre. La route 7. Thank you.
Ah si. Ah, musique de combat. Merci d'être venu, je voulais te parler. J'ai bien réfléchi, il faut que j'utilise plein de tactiques différentes si je veux essayer de rattraper mon frangin. Et je veux pas juste le rattraper, je veux le dépasser. Le battre à plate couture. Ah, je pense que tu vois où je veux en venir. J'ai vraiment besoin de m'entraîner avec toi. En garde. Bah voilà. Essayons. Il est quoi des sciences? Il est spectre. Il est spectre. Il est spectre quelque chose. Oui, il est spectre quelque chose, mais je sais pas pourquoi. Défends-moi. Je vous prends mes PV tranquillement. Et ça fait une hyper potion. La triche. Ouch. Pas très efficace, mais ça marche bien. J'ai bien fait de lui mettre les restes. Allez, frappe-le. Ouais, c'est bien. Il devrait plus être confus là. Ah, c'est quoi ces... Non, elles sont définitives. Oui, on change. Vous voyez pire au but. Je crois que j'aurais pu l'empoisonner. Il n'a pas changé. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Attaque pour le finir. Ça fait un peu de dégâts sur mon Pokémon. Tiens, regarde. Voilà, ça c'est faire des dégâts. Hein?
Il est où? Allez. Manoir. C'est tout, t'as pas mieux comme attaque? Tiens, regarde. Hop. Vibre obscur. Alors, qu'est-ce qu'on a? 60, 70, ça va. Bon, ben là, faut apprendre des attaques de type fée. Tu sais, avant qu'on parte à l'aventure, je matais tout le temps les combats du frangin à la télé. Il m'en mettait toujours plein la vue. Je réalisais bien qu'il était fort, mais pas à quel point. Maintenant, je sais. Et clairement, il me manque quelque chose pour arriver à son niveau. Mais c'est pas grave, je vais continuer à m'améliorer. Merci de me laisser tester mes tactiques, t'es une super pote. Bouge pas, je guéris ton équipe. Ouais, j'en suis sûre maintenant. Je vais défier mon frangin et le vaincre. Je vais vaincre le maître invaincu. Je vais décrocher le badge de Ludester et je t'attendrai au tournant après pour te vaincre. On va mettre qu'un artichaut un peu. Excusez-moi, madame. Vraie bombelle. Rubombelle de type fée. Pourquoi j'ai mis qu'un artichaut? Ah ah. Tiens, bouffe. Pyrène, elle se prend un pic-pic. Un petit pic-pic à Pyrène. Petite pression.
Ok, on peut pas passer par là. C'est quoi ça? Non, tu es très mignon, mais tu es très très moche aussi. Prenons un taxi. Les combos aussi. À chaque fois, j'oublie qu'un artichaut, il est combat. Tiens, bouffe. Non, on va envoyer ça à Larsen. C'est réglé. Non, non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ce que je vais faire, je vais aller soigner mes Pokémon avant de changer de... de zone. Non, 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 non. Tu es très, très moche, au griffier. Courage, fuyons. Je me demande si je devrais pas plutôt mettre Astronel parce que... ce serait bien plus efficace. Vous allez aller poison, non? Ah bah, ce sera un grand coup de psycho. Ouais, ça, c'est pas très efficace. Tiens, goûte un peu ça. Mais oui, ça marche très bien. Chapeau de puce. Thank you.
il y a un furibond là-bas. Parfait. Parfait, parfait. C'est justement le Pokémon qui me manque. Aïe, monte, monte à l'échelle. Oh, il y a Solarok aussi. Magnifique, des Pokémon qui me manquent. Non, 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 non. Il n'y a rien là. Où es-tu, Torgamore ? Ah, non, non. Oh non, il a disparu ! Non ! Rends-moi Furéglon ! Je veux Furéglon, il me le faut. Le Spectrum. Non mais casse-toi Spectrum, moi je veux Furigon. Wouah! Ah putain! Sale Pokémon celui-là. Hop! Le dragon spectre. Je sais pas si ton brush ça marche. On se tourne, on va envoyer ça à Larsen. Oh,
maxi pépite. Ouais. Bonjour. Tout est démarré. Où il va sortir. Vite. Ah ! Non mais je t'ai déjà, Hexadron. Commence pas. Pas toi qui m'intéresse. Dégage. Là, il y a les dresseurs. Mais ils font mal, hein. Le casse-brique. Je vais soigner. Ça va être compliqué. Bon, on va faire ça. Je crois que tu rebutes est plus rapide. Ah, tunnel. Qui pourrait encaisser ça? Astronel? Ah! Pourquoi? Oh merde!
Bon, désolé, Pyrobut. Mais tu vas te prendre le surf en pleine gueule. Lucario et Berserkate. Berserkate acier. Hein. Ça touche. On va faire ça sur lui. Et le casse-brique sur Berserkate. Il a pas aimé. On va envoyer Astronelle. Allez, double combo psycho pic pic, il devrait pas trop aimer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se laisser là. Et on se dit à plus. Allez, ciao.